Salut à toutes et à toutes, on se retrouve pour l'épisode 2 de Pokémon Écarlate. Bon, on avait fait les premiers trucs, on a eu le premier Pokémon, première capture, et là on va au phare, on va voir ce qui se passe. Donc là on voit, on est là, on regarde autour, qu'est-ce qui se passe là. Il est encore trop tôt pour aller par là, revenez plus tard. Bah, attends. Ah, c'est là-bas, c'est avec la clairière là qui a pété. Ok, c'est là-bas. Donc là on va voir les choses, elle va venir parler là. Ah, on le voit là, là. Ah, le légendaire là. Ah, il est échoué là. Visiblement, il s'est échoué sur la mer. Enfin, sur la plage plutôt. Donc là, on voit deux Malos. Ils vont faire quoi? Ils vont l'attaquer. Donc là, il leur gueule dessus. Il leur dit, cassez-vous. D'ailleurs, s'il y a un Malos, faudra que je l'attrape, hein. Ah d'accord, c'est ça la fonction du Motisma, il te sert de parachute en fait. Donc là, les Malos là. Donc là, voilà. Il a l'air, comme j'ai dit, il est échoué, il a l'air un peu KO quoi. Donc on va aller voir, qu'est-ce qui se passe. Un Pokémon mystérieux et effondré à bout de force. Bon, on va lui donner une baie. Et si je lui donne rien, qu'est-ce qui se passe? Ah là pour le coup faut lui donner quelque chose, sinon il te dit non. Voilà. Faut vraiment donner quelque chose, donc on va lui donner quoi? Quelque chose qu'on a parce que de toute façon. Ah c'est pour ça qu'il y avait le sandwich en fait. Parce que si tu lui donnes une baie, ça marche pas, je suppose. Bon, il t'a quand même pas pris la baie. Non, il en veut pas. Je pense qu'il veut le sandwich, non? Ça serait logique, ça t'a mis à. Parce que ça a pointé vers. Voilà. Voilà, ça avait pointé vers les objets rares, donc faut lui donner sandwich. Donc voilà, on lui donne sandwich, tout ça. Donc il se relève là, il a l'air repu, requinqué. Ah, c'est là, la grotte mystérieuse. Bon là il est en mode Super Saiyan là. Ça y est. Donc c'est quoi? Là il se barre et il dit merci et il retourne vite fait dans la grotte et on pourra pas le suivre. Allez. Parce qu'elle nous a dit, faut se rappeler, elle nous a dit tu rentres pas dans la grotte, toi t'es un faible. Tu vas te faire démolir si tu rentres. Donc là nous on veut le retenir mais non. Il a l'air, comme on dit, on l'a aidé, on a fait la bonne action, tout ça. C'est très bien mais maintenant faut que nous on aille au phare hein, parce qu'on a autre chose à faire aussi. Je pense que là on n'est pas encore au niveau pour pouvoir l'affronter et tout ça. Hein. Parce que c'est pas avec le miaou miaou niveau ça. Peut-être, attends, on va voir. Bon, vas-y, on va suivre. Ah, on suit, vas-y. Il va nous protéger comme ça. Donc là on peut plus courir là. On est obligé de marcher. Jolie musique, hein. Donc là on voit qu'il y a des objets aussi à récupérer. Eh oh Moedra! Ah oui elle est en haut, donc nous faut qu'on remonte là, ouais, puisqu'on est tombé en bas forcément. Ah t'es là, rien de cassé. Rien de cassé, t'es sérieuse toi? Ah là là. Ah je pensais que c'était pour lui dire non, qu'on avait quelque chose de cassé. Ah, c'est mignon ça. Bon, maintenant faut qu'on sorte de là.
T'as pas un Pokémon vol ou une connerie pareille là qui peut te prendre? On sait pas ce que c'est ce Pokémon. Donc là, il va nous dégager tout ça. Ah, donc en fait, ouais, il va nous... Ah, attends, si, il y a un Pokémon là. Oh là là, c'est incroyable. Il a l'air aussi fort que mes Pokémon. Voire même encore plus. Ah, ah, il y a un Démolos là. Ouh là là. Bon, moi, je vais récupérer les objets là. Les trucs qu'il y a là. Bon allez, ouais, Mangouleton, bon. Là, qu'est-ce qui se passe? Ah, on a une jolie musique, là, c'est vrai. Là, c'est vraiment, je peux pas courir en fait, faut le suivre. Mais là, il y a le Démolos en haut. Je sais pas si on peut. Ouais, s'il fait que nous guetter, parce que. Moi, je pense que là, on se fait déchirer si on l'affronte. Surtout avec un type plante. Ouais, donc en fait, oui, on peut pas le. Disons qu'il a sa zone en fait. Sur sa zone, on peut pas le. On peut pas courir quoi. À un Topiqueur. Bon allez, on affronte. Alors vraiment, il garde la musique parce que comme c'est le légendaire, même t'as pas la musique des combats quoi. Oh putain, mais cette paralysie là, ça m'emmerde. Bon, faudra que je prenne un objet parce que là, ouais, putain. Ça me fatigue un peu là. Et là, elle va rater l'attaque, tu vas voir, ils vont dire, hey, rate. Bon, ça va, allez, elle a réussi. Mieux vaut éviter les photos ou les réactions dans des endroits comme ça. Attends, je peux même pas sauvegarder, putain! Donc l'idée, en fait, ce serait que j'affronte aucun Pokémon. Ah putain, là, ah ouais, là... Là ils sont venus là, la cité elle est venue, elles vont lui tomber dessus. Et alors maintenant tu vas devoir affronter à 10 contre 1. Ah non parce que c'était là. Il y avait le truc là. Bon je veux ça là. On est là. En fait, lui, il nous sert d'escorte, en fait. Pour qu'on remonte bien comme il faut. Parce que c'est vrai que sans lui, là, on serait dans la merde. On pourrait pas faire quoi que ce soit. Ah, le Démolos qu'on avait vu en haut. Là, il arrive, il vient, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu vas faire?
55. Mais là, on va se faire violer, là. C'est pas possible. Ah, voilà, voilà, là. Là, putain, mais là, c'est l'escadrille, c'est l'armée qui arrive, là. Putain, il va être un 100 contre 1. Donc là, il vient, il nous secourt. Ça, tu vas pas me faire croire qu'il peut pas sauter. Avec les sauts qu'il fait, voilà, il saute. C'est évident. Bon voilà, hein. Introduction au légendaire. Ah, j'ai trouvé que c'était quand même classe cette partie. Bonne musique dans la grotte, hein, j'ai bien aimé. Donc voilà, faut qu'on aille quand même au phare, hein. C'était le but au début. Ah là, il a retrouvé forme, voilà, sa forme normale, j'ai l'impression. Ah, qui c'est? Non mais toi, c'est toi le maître, c'est toi l'experte, c'est pas nous, nous on est un glandu, on est un sgeg, nous. Là, il attaque lui-même. En tout cas, on a vu qu'il gère quand même. Hein. J'aime bien le quand il aura rejoint ton équipe. C'est pas si, c'est quand. Ah, météore, ouais, c'est pas la capacité la plus efficace que je connais, mais bon. Ah, donc ils ont réintroduit le concept des CT maintenant. Donc maintenant, faut réfléchir avant que t'apprennes. C'est pas comme maintenant, ils ont mis... tu vois, ils ont... C'est pas infini. Donc là, bon, direction le phare, hein, comme on a dit. Donc il y a le insecte, là. Il y a le insecte, tout ça. Donc on va là-bas, on court, on court, on court, allez. Ah, tiens. C'est quoi, ça? Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, il le connaît, donc. Et vous aussi, qu'est-ce que vous faites là? Eh, mais tu serais pas le parcours... Tu suivrais pas le parcours littéraire, par hasard? Tu t'appelles Pepper, c'est ça? Tu es le fils de la professeure Pokémon. Ramène pas ma mère là-dedans, ok? Bah, il m'a sauvé la vie. Donc, il le connaît, quoi, ouais. Ah, c'est Coraidon. Ok, c'est son nom. Donc on est un dresseur spécial d'élite. Ah, c'est ce que ça veut dire. Bon ben vas-y, hein. Et là, il te sort un Pokémon niveau 40.
Bon, ils te les ont soignés, bon. Ok, bon, on l'a battu, ça va. Combat assez simple, hein, j'ai envie de te dire. Même que je te dis. Non, mais c'est vrai qu'il faut que j'arrête avec ce tic de langage, j'ai envie de te dire. C'est que je te dis et c'est tout. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses simples. Si on l'a battu, et il va dire quoi maintenant? Bien joué, Moïdra. Il n'avait aucune chance avec un Pokémon que je vais à peine de capturer. Enfin bref, si tu comptes vraiment amener ce Pokémon, prends ça. C'est une Pokéball qui sert à le contrôler. Putain, oh là, dès le début du jeu. Mais pourquoi t'avais ça sur toi? Au moins j'ai réussi à me débarrasser de cette Pokéball. Allez, salut! Eh, je suis pas transparente, hein? Donc là, ouais. Ça y est, une servir de Pokémonteur? De Pokémonture ou un truc comme ça? Bon, allez, on va monter. Alors, si on regarde autour, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est vrai qu'on voit bien là, ouais, on voit la mer et tout ça. Regarde, là-bas c'est Messalédo. Et tu vois le bâtiment avec la grosse Pokéball, c'est notre école. Et on va être dans la même classe, j'ai tellement hâte. Moi aussi j'ai hâte. On est vraiment fait pour s'entendre. On va apprendre plein de trucs et surtout, on va faire plein de combats. La vue est superbe depuis le phare, pas vrai? Les montagnes, les prairies, les forêts, tout ça, perte de vue. Toute cette nature regorge de lieux fantastiques qui eux-mêmes regorgent de Pokémon qui n'attendent qu'une chose, te rencontrer. Ou peut-être que tu leur foutes la paix aussi, hein. C'est pas exclu. Ok. Ah ouais, pas mal de routes. Il va falloir qu'on traverse le premier centre Pokémon, là, Plateau Réal. Ok, ben on y va, hein. Donc ça, on a d'être là. Donc ok, donc là on voit le centre Pokémon devant. Ah, peut-être là ça va être le dresseur là. Allez, on se bat. Est-ce qu'on peut l'esquiver, tiens? Ah bon, bah, on va l'affronter, allez. Ok, bah écoute, on se salue, hein. Bon, moi j'avais dit insecte, ouais.
Bon, après, ils ont que sécrétion à ce niveau, il n'aura pas forcément d'attaque insecte, donc ça va, je pense. C'est assez facile de les battre pour l'instant. Ok, bon, on l'a battu, ça y est. Il va faire une petite parlotte en disant que voilà, blablabla. Ok, on l'a battu. Donc là, est-ce que... ouais. On aura ça là, ok. Un petit coco, tiens, on va l'affronter, allez. C'est une cible facile pour nous. Ah, il est pas KO. Tiens, il y a que ça des psychoquacks. Ah, y'a quoi, c'est un... C'est un quoi, ça? Ah, un azur... Je sais plus quoi, là. Azuril. Bon, il ne fera rien du tout, là, c'est sûr. Donc lui, il est type normal, je crois. Il est pas type haut. Si je me rappelle bien, parce que... À chaque fois, j'avais un doute, parce que je sais que le combat est super efficace sur lui, et je pense pas qu'il est type glace, donc... Ou type ténèbres. Ou type roche. Ou type acier. Donc voilà. Ah, tiens, c'est ah, c'est toujours le cochon. Ah, tiens, ça c'est des quoi, c'est des... Ah. Ah, un Vivaldin. Ah, je vais le capturer, lui, tu vois, je vais capturer. Je crois que c'est... Ouais, mais c'est type plante aussi, je crois, ça. Je crois que c'est type plante, ça. Parce que c'est pour me retrouver avec des types plantes... de type plante. C'est pas forcément intéressant. Bah ouais, je vais l'attraper quand même, allez, je vais l'attraper. Ok, je vais l'attraper. Vivaldin. Niveau 10, ok. Aiguisage, c'est quoi? C'est pour augmenter l'attaque, si tu me rappelles bien. Non, on va dire non. Ah merde, j'aurais peut-être dû dire oui. Bon. Ah, normal plante, voilà, c'est ça, normal plante. Voilà. Ok. Ah, ici on a quelque chose, ouais. Ah, par terre aussi, une baie. Et ici on a ça.
Donc c'est vrai que le champ est assez grand là. Je vais voir ici s'il y a quelque chose. Donc on voit l'arbre. Bon, toujours ces Pokémon là. Ah, toujours un objet là. Non mais c'est vrai que quand même c'est bien, tu peux commencer à explorer, tu peux voir quand même un peu, c'est vrai que c'est intéressant quoi. Là-bas aussi il y a quelque chose, je vois. Ici. Hein, c'est vrai que ouais, et ici là-bas, ouais, c'est vrai que tu peux être très vite tu peux très vite dévier de ton objectif, j'admets. J'allais dire, il y a un petit côté Breath of the Wild, même si c'est pas aussi grand, mais... il était où le troisième? Ah, ici, c'est un truc spécial, je crois que c'est une CT, ça, non? Du coup, avec cette couleur. Voilà, c'est abri, ça. Si on va se faire gangbang par tout le monde. Ah non, il y en a qu'un qu'on peut affronter. Sur les... Imagine les 5 qui seraient là, ils seraient tombés sur nous là. Ouais, bon, pic-pic, ok. Donc voilà, encore, ah, une CT encore. Ah, survie insecte. Survie insecte, ah, ça pourrait être intéressant. En plus là, on voit vraiment l'eau, là, les reflets. Ah, tiens, t'as le soleil là et tu vois un peu les reflets là, je trouve que c'est bien. Est-ce que je vais trouver un Pokémon intéressant, ce serait bien. Ah, attends. Tiens, l'autruche, là. Flamme en roule. Ça a l'air d'être peut-être de l'eau, ça. Ah non, c'est du pigeon, ouais, du pigeon, ok. Photocopie. Donc il apprend quoi? Il apprend l'attaque aussi. Bon, on va utiliser morsure. Attends, c'est pas efficace hein? Parce qu'il est type quoi du coup? Il est... Attends, je vais essayer de déduire. Déjà, il doit être type vol. Mais s'il craint pas ténèbres, il est quoi? Il peut être fée. Ténèbres, quoi, combat, donc là on va voir feuillage parce que je vais être peut-être un peu plus de dégâts comme j'ai moins de PV. Bon, je vais essayer de la, je vais l'attraper, tiens, pic pic. Bon, il m'a mis KO hein. Ok, alors allez, je lance une Pokéball et je l'attrape. Non, pas ça. Oh putain. Ouais, voilà, combat, c'est ce que je me disais. Putain, il... Bon, je vais l'attaquer parce que sinon je vais mettre... à moins qu'il soit plus rapide que moi.
Oh putain! C'est vraiment un emmerdeur ce Pokémon. Ouais. Putain, en plus là c'est vraiment l'antithèse, vol combat, c'est vraiment le pire match-up qu'on pouvait avoir. Faut aller, je tente charge, mais le KO. Putain. Ah putain, tu vois, j'ai voulu l'attraper et ça y est, je me suis fait mettre KO. C'est. Bon ça y est, j'ai perdu. Ah, premier KO, putain, c'est chiant. Voilà, c'est ça quand on va attraper les Pokémon, plus le Pokémon en forme, ok. Là, je fais tomber du fric et je me barre. Ouais, hors jeu. T'es carrément à la maison, quoi. Faut que je fasse tout le trajet, du coup. Tu vois, c'est ça que tu vas attraper des Pokémon et bon, tu te fais avoir. C'est sûr que c'est pas un combat. Voilà, c'est. C'est vrai que j'ai pas voulu utiliser de rappel ou de trucs comme ça, quoi. Bon, allez, un peu, une petite accélération. Le retour, cette fois, je vais l'attraper bien comme il faut. Je sais pas si ça va le mettre KO, éclair. J'espère pas que ça va le mettre KO quand même. Oh, quand même, il est solide. Ou alors c'est l'autre qui est trop faible. A voir. Mais faut que je le paralyse. Que je le paralyse, ça ce serait bien là. Une bonne paralysie. Moi, il m'a paralysé après tout. Alors pourquoi tu paralyserais pas ce bâtard? Je pense qu'un troisième, ça le tue pas. Voilà, paralyse-le. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Maintenant je vais t'attraper, puis c'est tout. Un Pokémon vol combat, je crois. Je crois que j'en ai jamais vu. Un vol combat, non, j'en ai jamais vu. Ça peut être intéressant. Voilà, vous avez attrapé Flamme en Roule. Ah, peut-être type feu, maintenant que j'y pense. Parce que la plante... Attends, parce que j'ai... Chargeur, c'est quoi déjà? Ah si, ça permet de faire d'augmenter les capacités des électriques. Bon, allez, je vais la prendre. Pourquoi j'avais dit vol? Je sais plus pourquoi j'avais dit vol, mais c'est vrai que je pense que c'est peut-être feu. Ah ben vol combat, ouais. Non merci, je vais pas lui donner de surnom. Donc voilà, il a rejoint l'équipe. Oh, l'équipe s'agrandit quand même, hein, l'air de rien. Je pense que vu que c'était un nouveau Pokémon, fallait que je l'attrape celui-là. Est-ce que là il me faut surf ou je peux directement y aller comme ça là? Oh, les Azuri, les trucs comme ça. Ok, ben là, il y a encore un objet. Non, mais l'air de rien, tu vois, tu peux contempler. Tu peux te laisser porter par le... Ah, ben là, ouais, je peux pas parce que j'ai pas surf. Ok, ça, j'ai compris. Voilà, du coup, pour remonter... Il faut que je fasse le tour, je suppose. Bon, je vais remettre mon starter en premier. Voilà, voilà. Donc là, pareil, je pense que si j'y vais, je pourrais pas y aller. Donc on va éviter. Parce que c'est une large étendue d'eau.
Jolie musique de fond quand même. Qui correspond au lieu. Je trouve que pour l'instant, les musiques, elles sont pas mal. Ah, il y avait ça, bah, voilà. Total soin, ça va être intéressant. Voilà. Pour la prochaine fois, si je me fais paralyser ou une autre merde d'altération de statut de ce style, ça sera bien. Donc là, faut que je me rende, que j'aille au sentier là. Ah, peut-être là, le fait de que je monte en haut et que je descende pour récupérer les objets là. Après, par contre, je sais pas si c'est comme dans Pokémon Arceus, si tu tombes de trop haut, est-ce que tu perds des objets, t'es considéré comme mort. Ça, je sais pas. C'est vrai que c'est une question intéressante à voir. Alors, tu peux pas tomber, en fait, peut-être. Ah, on t'empêche de tomber. Ah, non. Et tu peux tomber là un peu, mais peut-être pas de trop. Donc, encore des objets, hein, vraiment. Quand même, c'est pas mal, hein. Tu peux trouver bon pas mal d'objets. C'est vraiment bon, c'est mis sur le... L'accent est mis sur l'exploration, donc ça m'étonne pas. Mais c'est quand même appréciable. Un mousteboué. Attends, je vais l'affronter un peu. Là, j'avais vu un truc, là. Ah, putain, c'est un psychocoque, putain. J'ai cru derrière que c'était un champignon ou un autre Pokémon, tu vois, comme quoi. Ça, j'ai déjà vu. Ah, ben là, c'est le gamin qu'on avait vu. Mais là, du coup, je sais pas si c'était en haut, parce que je sais plus où c'était les... Les falaises là où il y avait les objets, où il fallait que je... Que si je descendais, je pouvais les avoir. Bah pour le coup, je sais pas, est-ce qu'on aura une capacité d'escalade au final, je sais pas. Bon là, je vais me rendre quand même au centre là, parce que l'objectif c'est de se rendre à l'école. Mais c'est vrai que comme j'ai dit, c'est facile de faire des petits détours là, avec la nature luxuriante qui est autour de nous. Ça donne envie d'aller un peu partout. Ah bah, deuxième gamine, j'ai soigné mon Pokémon. Bon, ça veut dire on peut te tomber dessus. Ah tiens, c'est quoi ça? Un Patachio.
Ah tiens, je vais l'attraper lui. Je pense que je vais le remplacer par l'autre électrique. Je pense que je préfère lui. Je pense qu'il est électrique l'autre. Celui-là aussi, je pense qu'il est électrique. J'ai l'intuition qu'il est. Je peux me tromper, mais ce serait intéressant. Patachio. Ah, fait. Ah ouais. Bon, mais je vais le garder quand même. Allez, je sais pas, on va voir. Peut-être que ça peut être bien. Ah, je pensais qu'il était électrique. Mais bon. Bon, allez, on va affronter le gamin, là. Ou la gamine, je sais pas. Tu as cet âge, ça se ressemble. Voilà, l'étudiante, tu vois. Donc, elle envoie son gros cochon, là. Ouais, des merdes de niveau 5. Pour l'instant, bon, il n'y a pas trop de challenge. Hein. Coup critique, en plus. Si c'était déjà pas assez déséquilibré. Ah, mais il avait tous ses PV, mais bon. C'est la vie. Donc, c'est quoi ton truc intéressant, là, que tu vas m'apprendre? C'est ça, ces infos. C'est moi, les infos qui servent à rien. Bon, là, voilà, c'est bourré de chiens, là, de trucs comme ça, là. Donc, là, vas-y, il y a un panneau. Qu'est-ce qu'il dit, plateau réel? Ah, c'est pas, tu dis pas le panneau, quoi. C'est juste, tu passes devant et c'est lui. Ah, donc, elle est là, elle. Ah, d'accord, c'est... Non, c'est en plein air, ça. Donc là, ça doit être le magasin, ça, le shop, ok. À créer. Ah d'accord, ouais, ok. Ah, du coup, c'est pour ça, à chaque fois, oui, que tu bats un Pokémon, il lâche des poils ou des touffes ou des choses comme ça, des griffes. Et ah, ça, c'est intéressant, comme ça, tu peux faire ça, ouais, ok. Ok, bon, écoute, c'est ok, pratique, hein, bon, merci. Ok. Bouton R en avant. Ah ouais, bon, ça c'est ce qu'on avait vu, ouais, ce que j'avais fait déjà. Ok. Bon, ben, on va aller parler au centre. Ah, c'est bien ça. Ok, bon, on va voir qu'est-ce qu'elle va nous dire. Ok, bon, ok, merci, hein. On va parler à lui là. Qu'est-ce qu'il vend? Est-ce qu'il vend des Super Bowls à ce stade du jeu? Non, il n'y en a pas. Est-ce que je peux vendre des trucs?
Oh bon, je vais garder des trucs, allez. Bon, allez, je me barre. Ok, bon, écoute, voilà, là, je suis dans la ville, ok. Bon, je vais un peu parler à tout le monde, voir ce qu'elle dit. Ok, une ville paisible, le bonheur nous est servi, ok. Bon, ok, ouais, ils vont dire rien d'intéressant, je pense, eux. Voilà, d'ailleurs. Ok. Ok, ça fond dans la bouche, lui, elle vend quoi, là? On verra ça plus tard, j'ai pas le temps pour les conneries pour l'instant, surtout pour dépenser du fric. Donc ok, donc là on va là. Ouais. Donc là ouais ok. Fou c'est... Ouais. Bon oh, c'est le Tauros ça, le Tauros ouais. Le Tauros Black. Et de toute façon, ouais, là il y a les choses, ok. Ok, bon, on voit qu'il y a un peu des gens, voilà, prenons notre temps. Après, s'il y a des maisons, faut que je vois si j'aille dedans. Bon, ouais, qu'est-ce qu'elle dit, elle, la vieille? Le vieux, là. Vas-y. Ah ouais, c'est vraiment les conseils d'une utilité extrême. Donc là on voit qu'il y a des maisons, quelques-unes. Donc je vais voir si je peux avoir des... Parce que des fois si tu leur parles, tu peux peut-être avoir des CT ou des trucs comme ça. Wow. Ouais, les mathématiques c'est bien. Après ça dépend c'est quoi les... aussi leurs dons. Hein. Est-ce qu'ils savent faire les calculs x11? Les dérivés de cosinus, sinus, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de cosinus, de t carré, dt. Ça, c'est des trucs comme ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a le bec qui pend. Il y a aussi... Mais là, je veux dire, la maison, là, je pouvais pas y rentrer, visiblement. Peut-être je suis rentré par le mauvais côté, je sais pas. Ouais, mon anti-para, merci. En fait, je peux pas rentrer, quoi, tu... Ok, ok. Donc là, c'est ça, c'est bon. Ah, il y a encore des trucs, là. Et là, bon, je crois qu'il n'y a plus trop grand-chose à faire pour l'instant, en tout cas. En première approximation. Et là, on voit que ça discutaille, ça fait les choses. Donc là, ok, zone sud numéro 1. Ouais, c'est toujours la même zone en fait. Donc là, on est dans les hautes herbes, ok. Donc là, je récupère quand même les objets, tout ça. Donc là, on va avoir sûrement quelqu'un qui veut se battre. Tu vas à l'école, petit? Tu vas à l'école? Tu veux un friandise? Bon, vas-y, qu'est-ce qu'il me dit lui? Allez. Bon ben vas-y hein. Avec le nettoyeur. Bon on va utiliser morsure parce que c'est un type poison l'autre. Voilà ça c'est bien ça. Il faut réattaquer. Voilà, on a battu Étienne le nettoyeur. Ça, c'est bien. Donc, on continue là.
Et là, je vois le truc qui clignote. Doit y avoir une baie. Allez, travaille bien. Ah, ça donne les conseils, ok. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Des objets. Ici, j'ai vu celui qui était à côté, là, à gauche. Il n'y a pas de souci. Donc là, ouais, là, c'est ça. Donc on voit les choses. Donc là, ici. Oh, comme je dis, c'est vrai que c'est vaste. Hein. Je pense qu'en off, je ferai peut-être des visites. Mais là, c'est pour montrer quand même l'intérêt qu'on voit qu'il y a pas mal d'objets, tout ça, qu'on peut visiter. Hop. Beaucoup d'objets, beaucoup de Pokéball qu'on récupère, hein, l'air de rien. Donc là, c'est aussi... On est devant l'école maintenant. Donc là, je vais juste voir un petit truc à côté. Est-ce que je vois des objets, on va dire, à première vue. Ah là, il y a même sur le rocher, il y a... C'est quoi ça? C'est un Pokémon? Ah, pièce de... Voilà. Un objet laissé par un Pokémon. Non, parce que moi, je me suis dit, je vois le robot là. Mais à quoi ça sert? Ah, mais là, tu vois, il y a plein d'objets aussi, tu vois, ça te pousse à y aller, ça te pousse, en fait, à visiter, tu vois. D'un objet à un autre, ben, tu visites, tu vois que, bon, les Pokémon, il y a les mêmes, là. Tu vois qu'il y a le Magikarp. Et là, je sais pas si je peux... Et là, je peux y aller dans l'eau, quand même. Même là, je peux pas y aller. Putain. En fait, chaque fois qu'il y a un truc qui a... J'allais dire un truc. Ouais, un truc, un Pokémon qui nage, ça veut dire que tu peux pas y aller, quoi. Enfin, pour l'instant, je pense que j'aurai une monture ou qu'il y aura surf, hein, c'est possible. Mais là, pour l'instant, il y a rien du tout. Même là, je les vois, là, les deux trucs qui... Ah non, parce que là, on voit de la fumée au loin. C'est quoi, ce machin? Parce que j'ai pas halluciné, on voit bien de la fumée. Et si on regarde, hop. Ah, ça, attends, c'est... Ouais, c'est toujours un... Ah oui, c'est toujours un... Ah non, ça, c'est le machin, là. Non, c'est là, là, le machin, là, en face. Ouais, je pense qu'il faut contourner, qu'on peut pas forcément faire comme ça. Voilà, faut aller ici. Ah, en fait, c'était peut-être ça, c'était les montagnes, tout ça. Ah non, c'était ici, là, comme ça, ici. Donc, on voit qu'il y a ça. Super potion. Ouais, je commence à accumuler des objets, l'air de rien. Bon, là, je vais me rendre à l'école. À part si j'ai un autre truc qui me dévie, mais c'est tellement facile d'être dévié. Quand même, tu vois que ça a de la gueule. Tu vois le château, tu vois l'école. Ouais. Ça, quand même, ça a de la gueule. Tu te dis, c'est sérieux, quoi. Une certaine respectabilité du lieu. Donc maintenant, je vais aller à l'école. Donc là, alors c'est ça. Donc, ah, attends, lui, c'est qui, ça? Ah, c'est un dresseur. J'étais venu à Mesa Ledo pour faire des livraisons. Mais ça te dit un petit combat, vite fait? Bon, ben, on va faire le combat, alors. Je vais prendre la Hagra, puis voilà. Un mini-singe. Donc, ok. Ah, là, bon. Quel niveau? Niveau 6. Donc tension, ouais. Bon, DB, j'en ai pas mis, mais peut-être qu'il faudrait que j'en mette. Ça peut être une bonne idée. Donc bon, morsure, hein. Parce que je suppose que c'est un Pokémon vol. Arrogance. Il augmente. Bon, mais ça y est.
Oui, bon, j'ai une victoire et j'ai du fric. Ça, c'est bien. Le Pokédex a été mis à jour. Donc là, moi, je vais juste aller ici pour voir qu'est-ce qui se passe. Qui s'y connaît en combat, normalement, nous, un peu. Toi, t'es un commercial, toi, t'es avec le costard, tout ça. Tu vas essayer de vendre des trucs. Voilà. Voilà, tu représentes. Je sens que les combats, ça vous connaît. Si vous parvenez à battre 4 dresseurs ici dans la zone sud 1, vous aurez le droit à une splendide récompense. Ah, mais je les ai battus, voilà, donc j'ai... Qu'est-ce que j'ai? Des points? KG clair, ouais, ça va pas me servir à grand-chose, à part... Oui, si je veux attraper des Pokémon, voilà. Ah, ce défi, voilà, ok. Donc, ok, c'est-à-dire que si t'affrontes des dresseurs, tout ça, tu peux te retrouver avec des CT comme ça. Ça a l'air intéressant. Okay. Est-ce qu'eux, ils vendent des choses différentes? Maintenant que j'ai pris... On va dire que je me suis aventuré un peu plus loin. J'ai le droit à avoir des hyperboles ou... Pas hyperboles, mais au moins pokéball, non? Enfin, un superball, je veux dire. Non, ça va, vous servez à... Là, tu sers à rien pour l'instant. Après, est-ce que je peux... Qu'est-ce que je peux faire au niveau des CT? Créer une CT, alors qu'est-ce que je peux avoir? Ok, là, il dit ça. Trop feu. Coup de main. Alors déjà ouais, d'apprendre des choses, autre chose que des attaques merdiques quoi. Crogivre. Donc ouais, le chien il peut apprendre tout quoi. Balayage, combat. 400 PL. Et pour le coup, balayage, ça pourrait être intéressant si j'ai il y a des ennemis bien lourds là. De lui apprendre. D'ailleurs, j'en ai qu'un, j'ai pas trop le choix. Peut-être qu'il apprend d'office, voilà. Après, c'est vrai que... Ouais, voix enjôleuse. Griffacier. Bon, en fait, il n'y en a pas beaucoup là. Balayage, ouais, je peux, mais tout le reste, quasiment, je peux pas quoi. Bon, pour l'instant, on va dire que je vais me barrer. Et je vais aller à l'école. Est-ce que ça. On va rentrer. Voilà. Ils vont ouvrir la porte juste pour nous. Les Pokémon ont dû bien progresser, donc on va les affronter. Ah, ok. Ok. Bon, ça va, c'est la musique sympa, mais j'espère que quand on l'affrontera vers la fin, parce que sûrement qu'on l'affrontera peut-être quand elle aura des Pokémon, voilà, quand elle nous montrera justement la vraie puissance de ces Pokémon, il y aura une autre musique. Ah ouais. Bon après c'est vrai que pour l'instant rien n'est fait pour qu'on ne roule pas sur le jeu. À voir peut-être si je me trompe hein, mais... qu'est-ce que c'est? Attends. Non, ça va. Ah oh, tiens, le pomme, comme nous, on avait pris. Ah, c'est quoi ça? Ah tu vois, c'est quoi ça? C'est...
Je veux pas dire que c'est une méga évolution, mais c'est quoi, c'est... C'est un objet spécial. Ah, Theta cristallise les capacités de son type Terra cristal, donc c'est électrique. Ouais, mais bon, ça va pas être efficace, voilà, sur moi, là. Mais c'est quoi, ça double, c'est... Ah, mais ça, du coup, c'est toutes les attaques, c'est pas... C'est une capacité... En fait, ce serait comme une capacité Z, mais... Donc ça doublerait pas, mais peut-être que c'est... Tu prends un... ouais... Quoi, 30% d'augmentation, mais c'est permanent, quoi. Ça dure jusqu'à que tu crèves, quoi. Ou jusqu'à la fin du match. Allez, ça. Ah, déjà, il a une bonne attaque, hein. Je crois. Ah ouais, j'ai pas vu. Je crois que c'est l'attaque où il a 29 ou c'est les PV. Implore, c'est quoi? C'est ténèbres, non? Implore. Le lanceur s'approche de la cible avec un air angélique afin de lâcher Tob. Ok, bon, on va faire ça, allez. Ouais, tu lui voles l'objet comme ça. Tu fais le petit regard et après, tiens, je t'ai volé ton nez. Voilà, implore, ok. Voilà, je l'ai battu. Combien je vais avoir? 600 Poké-Dollars. Ah, 540. Ouais. 90% de ce que j'avais dit. Donc là, on va faire un discours. Voilà. Ah oui. Donc, elle va nous aider. Ah mais en fait on va ressortir, on sera une usine à médication, à Pokéball et tout ça, on pourra vendre tout quoi, on pourra ouvrir une boutique. Allez. Est-ce qu'on ouvre? Ah ouais, c'est-à-dire que déjà c'est notre ville quoi, ouais. C'est même pas l'école, oui, parce que je me suis dit l'école si c'était vrai, j'ai dit le château, tout ça, je crois que c'était l'école, mais je me suis dit c'est un peu trop si c'est l'école quoi. Ah, c'est vrai, ouais, là c'est vraiment lent pour qu'on contemple un peu tout ce qu'il y a. Voilà. Ah, on voit des gens qui ont le même uniforme que nous. Et voilà, tu as vu, on est enfin arrivé. Voici Messaledo, la plus grande ville de Paldea. Ok, ouais. C'est aussi un pôle commercial depuis très longtemps. Beaucoup de gens viennent ici pour découvrir les dernières technologies et acquérir de nouvelles connaissances. Il y a un salon de coiffure où tu peux changer de look et aussi un délicieux restaurant de tapas. Il y a un endroit qui t'intéresse en particulier? La bouffe. Oh, tu serais pas un peu gourmand, toi? Mais t'as raison, on peut pas donner le meilleur de soi en combat lorsqu'on a le ventre vide. Et puisqu'on parle de combat,
Je vais faire en sorte que tu puisses utiliser la Terra Cristallisation, toi aussi. Il y a quelques démarches à faire pour ça, mais t'inquiète pas, je m'occupe de toute la partie chiante, paperasse et compagnie. Tu n'as qu'à en profiter pour faire le tour de la ville en attendant, tu verras, elle vaut le coup d'œil. Tu peux aller voir le magasin de vêtements pour personnaliser ton uniforme ou aller manger un bout au resto. Je te recommande le réseau, ok, ok. Donc, qui est tout en haut, en fait. Ok, ben... Après cette longue explication... J'aime bien la musique, hein, mais bon, elle est un peu... Le changement de rythme, il est assez intéressant. Donc, voilà. Ben, du coup, hein, je vais arrêter la vidéo ici. Assez longue, hein, une heure, je pense. Au moins, je pense que je vais faire des, comme j'ai dit, j'avais parlé de faire des vidéos entre 45 et 1h30. Comme ça, ça permet aussi que je puisse profiter du jeu, parce que c'est pour faire 20 minutes, 20 minutes, je trouve, je vais pas pouvoir profiter. L'intérêt, c'est que bon, la vidéo, elle soit agréable à regarder, mais que moi aussi, ça me donne la motivation de les faire. Donc là, je vais juste regarder un peu les caractéristiques des Pokémon. Ah ok, type Terra Crystal, c'est-à-dire que là en fait il prend pas, ouais il en prend un des deux. Ah bah ça je m'en fiche, moi je veux... Attends. Résumé. Ok. Ok. Attaque 29. Ah, ben ouais. Bah, j'espère qu'il évolue quand même, ce serait bien. Parce que ça pourrait être intéressant. Mais je sais pas pourquoi j'ai... Ouais. Flamant roule. Ouais, parce que bon, il serait bien qu'il évolue, mais... Il a déjà quand même de bonnes stats, hein, pour un Pokémon à ce niveau-là. 29 d'attaque. En plus, pour un type, c'est un type combat, donc type combat vol. C'est intéressant. Mais je pense qu'il peut quand même évoluer, j'espère, parce que ce serait quand même un peu con de pas pouvoir l'exploiter comme il faut. Mais bon, c'est que mon avis. Donc du coup, je vais sauvegarder. Comme j'ai dit, c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, pensez à vous abonner, à commenter, à liker et à partager aussi si ça vous avait plaisir. Ouh, je suis fatigué. Si ça vous a fait plaisir. C'était Moedra, je vous dis à plus pour un prochain épisode de Pokémon Écarlate.